Moi ça, hein. Ah, bordel, c'est la chanteuse. D'accord. D'accord, ok. Un fil. Ah. Je vois, ça y est, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah, Johnson. Nous recrutons. Rejoignez notre équipe à l'usine Johnson, Birdford. Nous vous garantissons une équipe accueillante, un environnement de travail stimulant, un arrêt journalier à la station Pont-l'Oiseau à 5 heures. Je vois pas en quoi l'entreprise ça les intéresse, là. Mais bon. Ok, super. C'est bien. On est content, mais ça aide pas plus, quoi. We have fresh sandwiches and the most delicious coffee. Make your choice. Bah, j'aime bien, mais j'ai de la tunasse ou pas? Du coup, attendez. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Simplement.
I love to draw my memory, good or bad. I love to draw my memory, good or bad. Ouais. Bon, vas-y, file-moi un sandwich. 10, please. Ah ouais, mais j'ai rien. 50, please. 10, please. Ah ouais, mais maintenant, j'en ai pour. Ah, bordel. 5 heures. Robert? Non mais je déconnais tout à l'heure en parlant de Robert. Could you buy her a coffee and a sandwich for me, please? Could you buy her a coffee and a sandwich for me, please? And a sandwich. Un café et un sandwich. Oh bah dis donc, bah, je vais pas un café en plus. Have I seen him before? Have I seen him before? Il y a du monde, hein. Ah, je cherche l'homme au chapeau rouge. La valise marron. Bon. Ok, il y a un jeu de piste, là. En tout cas, première chose que je vais faire... Oui, ten please, bah, tiens. There you go. Ah, d'accord, ok. Hop. There you go. Super. Thank you. Ah, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Vous savez que c'est un vomitif, hein. Le tabac dans le... Look at this thing. I'm not eating this. Et puis, et ce mec. You have a cigarette. Ouais. Thank you. Mais t'es pas le père de la famille chelou. C'est pas le père de la famille chelou de Paradise. Bon, il me demandait le mec à la valise marron. Regardez dans ma poche. Ok, il y a des lunettes. L'homme au casque veut ses lunettes. Un grand monsieur souriant. Un grand monsieur souriant. Ok. Ok.
qui a besoin d'une cravate? Alors... Bah, je dirais Robert. Look at this thing. I'm not eating this. Oh merde. Oh, c'est répugnant. Ah ouais, bah je comprends pourquoi tu veux pas les bouffer, hein. Much better. Here, take these crumbs. D'accord. Je sais pas trop à quoi ça servira, mais... Ok. Et tu veux pas une cravate? Se souvient-elle de moi? Du coup, il y a quelqu'un qui a besoin d'une cravate. Lui. Cravate verte. Thanks. One last question. Do you have the time? Oh merde! Oh non! Oh l'enculé. Does she remember me? Ah, d'accord, ok. Thank you.
Bah quoi, c'est bon? Please keep a close eye on your personal belongings. Putain, j'ai mal vu. 1, 1, 2, 2, 3, 3. D'accord. Ah, bordel, l'oiseau. Ah, d'accord, ok, je vois. Oh. C'est mignon. Tiens, les miettes. 3, 3, 1, 3, 1, 1. 3, 1, 3. Non. 3, 3, 1, 3, 1, 1. J'ai inversé. Non, chien. Eh oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bon, par contre, ça m'emmerde, c'est pour la montre. I remember you. Ah ouais, bah nous aussi, on s'en souvient. Laura Vanderboom. Ok. La grande indique l'arbre. Et puis il y a plein de références. Il y a plein de références aux anciens jeux. C'est incroyable. La grande indique l'arbre. Donc 9, donc 45. Proche de l'ombre. 4h. 4h45. Mais en fait, c'est 3h45, ça approche de l'ombre, mais ce qui est logique. Bon, ben, Laura, profite bien avec Robert. Je sais malheureusement que ça durera pas. Ticket, please. Ouais, je sais, ouais. Je crois bien que la prochaine étape, malheureusement, va mal se passer.
carrefour de la douleur. Both need to follow our own path. Please leave me behind. Your train leaves at 4. La rupture. Là, ça se passe pas exactement comme 4 heures. Enculé, t'es là. Rends-moi la montre. Bon, 4 heures. Robert. Je vais faire ce que je peux, mon vieux. She is not well. Je sais. Je le sais, je le sais. T'as oublié ton portefeuille, crétin. De la Rusty Money. Putain, c'était affreux le dessin. Ok, et une pièce. The White Door. Ah, bordel. C'était pas The White Room. Attendez, excusez-moi. Je vais vérifier juste un instant Steam. Mais ça s'appelait bien The White Room. Ah non, The White Door. Autant pour moi. Autant pour moi, c'est moi. J'étais persuadé que ça s'appelait The White Room. Non. Non. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Please leave me alone. I don't feel well. Please leave me alone. Je sais pas trop quoi prendre. Je peux interagir avec rien là-dessus, hein. Ok, ça bouge. Ah d'accord, faut que la somme se fasse 100. J'ai tellement pas envie de m'emmerder.
Alors. Quarante-cinq et trente-cinq, ça fait bien 100. Ouais, attendez. Non. Attendez, il manque combien? C'est ça. Ok, puis un petit chou avec. Ah d'accord. Ah oh putain d'accord, ok. Et du coup, hop. Et ça enfante un. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un camion, d'accord. Okay. Camion et un fruit. Putain, il s'éclate, hein. Mais ça a duré longtemps, ton histoire? Purée. Et... Cookie au maïs. Ça, c'est pour le pigeon, ça. Attendez, c'est quoi le truc? Ok. Si c'est blanc, apparemment, il n'aime pas. Il y a un code? Il y a un code? S'il y a un code, je l'ai pas vu. Ok. Alors attendez. On va commencer par ça. On va mettre deux blancs. Merde, mais merde, c'était... C'était bon, c'était bon. Enfin, je pense que c'est bon, hein. Ah, non, il en saute qu'un. Mais putain. Question, si après un grain de maïs, il prend un blanc.
Mais putain, mais pourquoi j'arrête pas de cliquer là-dessus? Attendez, je vais juste essayer. Si, non. Si, prends un grain de maïs et après, blanc. Non. Donc, dès que c'est blanc, il aime pas. Ou alors, il faut que ce soit le... S'il mange le celui-là, là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, attendez. Parce que là, apparemment, il en a sauté deux, c'est ça, ce que j'ai compris? Je vais défoncer ce jeu. Ok, c'est ça. Ok. Il met pas les trucs blancs visiblement. Rip le pigeon. Ouais, d'accord, ok. Bon, toi, espèce d'enfoiré, là. Mais quelle crapule. Ouais, bien sûr, oui. Oui, vachement confiance. Vachement confiance. Enculé. J'aurais dû péter sa gueule. Fils de... Ok. Ah, ok, alors attendez. Du coup... Ok. 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 Alors ça va être un petit peu chiant. Oh, ça va être chiant. J'annonce, ça va être chiant. Ok, on va commencer par tout ce qui est ciel déjà. Ok. Ensuite...
dans le paysage. Là, je dois avoir une sorte de... C'est ça? Ça a l'air d'être ça. Ok. Ok, là. Là. Non. Si, si, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Alors. Ok. Alors, si c'est pour nous dire qu'elle a fini au fond du lac. Ah, putain, d'accord, ok. Ok, donc ça, c'est la référence au jeu précédent. Ok. Du coup, on a tout ça. Il nous manque cette partie-là. Ça a l'air d'être là. Ah, il y a un cube noir. Ok. Là, possiblement. Donc, le corbeau. Donc, nous, hein, quelque part. Enfin, le... Vu que là, apparemment, on incarne le corbeau. Et là, le problème, ça va être cette partie-là. Mais ça m'a l'air d'être là. Ok. Ah, là-haut. Grand arbre, petit arbre, ça a l'air d'être là. Ok. Wow. Make pair. Ok. Oui, super. C'est un paquet de tubes, ça. Ok, d'accord. Laura Vanderboom. Chère Madame Vanderboom, veuillez trouver dans l'enveloppe le traitement évoqué lors de votre dernière visite. Il ne vous soignera pas, vos angoisses sont trop profondément ancrées dans votre passé. Toutefois, il vous aidera à y voir plus clair, comme vous le souhaitez, Dr. Clark. Tu t'es marqué quoi? Pilule. Bon, bah Laura, ouais, ton traitement quoi. Every night, I have these nightmares. In my dreams, I see them all. Can you also see them? Thank you.
dream of my mother. She holds me as a baby. I dream of my mother. She holds me as a baby. I dream of my mother. Bon, le sentiment, je suis désolé. Hein. I dream of poor Bob. I dream of poor Bob. He holds his broken heart. I dream of myself as a little girl and my mother. While she holds my hand, I hold her face. Whoa. I dream of myself as a little girl and my mother. While she holds my hand, I hold her face. I dream of myself as a little girl and my mother. While she holds my hand, I hold her face. Wow, ok, d'accord. C'est plus bizarre que je le pensais. Ok, d'accord. J'aurais dû tourner dans l'autre sens. Ok, d'accord. I dream of the detective. He is there with a large fish. I dream of the detective. L'inspecteur. Vandermeer. Il tient un gros poisson. Ah ouais, c'est violent tes pilules, Laurent, quand même. Un oiseau attrapant un rat. Bon, bah, là, il y a l'oiseau, hein, il y a le rat, donc... I dream of a bird holding a rat. And then I see the corrupted soul. Ah. With the head of my mother. What happened to her? I dream of a bird holding a rat. Ah, alors attendez, parce que l'oiseau attrapant le rat, c'est pas sûr que ce soit là. Attendez, on n'est pas le corbeau, on serait le pigeon ? I dream of you, my feathered friend, holding a branch full of blossom. I dream of you, my feathered friend, holding a branch full of blossom. I dream of you, my feathered friend. D'accord, donc...
I dream of my mother. She has grown old. She holds a black cube. I dream of my mother. She has grown old. Is she still alive? Where did she go? Will I ever know? Oh merde. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. My favorite passenger. Si tu le dis. Oh merde. L'inspecteur Vandermeer. Devant le corrupted soul de Léa Vanderboom. Du coup, quelque part, c'est un échec. Hein. On était censé protéger. Et du coup, on n'est pas le corbeau, on est le pigeon. Apparemment, on incarne le nouveau pigeon, entre guillemets. Parce que je rappelle que c'est très bizarre, hein. On a en fonction des générations des gens qui incarnent ces personnages-là, donc du pigeon, du corbeau, du cerf, du lapin. Mince, j'ai pas vu le nom de la station. Je suis désolé, j'étais trop concentré. Ok. Alors, je vais juste vous demander un instant, faut malheureusement que je fasse une petite pause toilette, et je reviens. Bien, on reprend. Petit détail par contre, du coup, c'est la première fois, je crois, dans un jeu Rusty Lake, qu'on a des éléments comme ça qui passent d'un écran à l'autre. Parce que d'habitude, pour faire passer quelque chose d'un écran à l'autre, on doit le mettre dans l'inventaire. Mais là, on a pu le faire passer en le glissant sur le bord de l'écran. Ce qui n'était jamais arrivé dans notre jeu. Il y a un peu d'électricité à faire, là. Ah, c'est le même symbole que ce qu'on avait avant.
Je sais pas trop en quoi ça nous a aidé. La morte. Bah défonce-moi ces casiers. Je vois pas trop en quoi ça a aidé de détruire ce bidon. Bon, ça c'était un peu évident. D'accord. Oh, je vais t'en... Oh, t'as de la chance, y a pas de courant. Quelque chose à dire? Je vais péter les genoux, moi, tu vois. Oh. Ah 8592. Six quatre un. Ah et ok. Ok. Ça c'est pour rien, c'est pour... Pas grand chose ici. Hein.